Je remercie Dominique. Depuis quelques mois, elle me signale des très bons bouquins. Et ça fait le troisième ou quatrième livre qu'il me conseille, que je loue avec grand plaisir. C'est un travail des 12 spécialistes, un historien universitaire qui a l'expérience de terrain puisqu'il a travaillé en usine pour étayer son expérience, et un économiste qui était, et il est également économiste des syndicats. Ces 12 esprits, à la fois théoriques et pratiques, ils ont abordé le sujet et posé la question, le pourquoi l'effondrement de l'Union soviétique. Un sujet, et il peut apparaître un petit peu ardu, pas très motivant, mais une fois qu'on est rentré dedans, on prend beaucoup de plaisir. Alors, rapidement, ce que j'ai retenu de ce travail, c'est que les 12 auteurs, ils ont essayé d'élaborer la chaîne des raisons ayant abouti à l'effondrement de l'Union soviétique. Comment un système aussi solide, aussi efficace, elle s'est effondrée et qui nous a laissé très étonnés face à cette expérience historique. Leur travail consistait de trouver les facteurs déterminants ayant abouti à l'effondrement. L'un de ces facteurs, c'est ce qu'ils ont appelé la 12e économie. Oui, la 12e économie. Et ils ont détecté que cette 12e économie existait, cohabitait avec l'économie socialiste officielle. Cette 12e économie était un petit peu la résultante des idées de Boukharine, depuis Boukharine dans les années 20-29. Par la suite, était alimentée par l'attitude et les réformes de Khrouchtchev, et puis la préparation, au bout de 3 décennies, a abouti que ce système de 2e économie était devenu un capitalisme qui n'était pas, il était un capitalisme caché, et que ce capitalisme arrivait à contrôler un quart des heures travaillées en Union soviétique. Un quart de l'économie soviétique, c'était ou bien de la propriété privée qui existait, un mode capitaliste, ou bien le marché noir qui rendait service à ce mode capitaliste. Et lorsque Gorbatchev a entrepris les réformes qui ont abouti à l'encouragement de cette tendance, de cette économie cachée, et subitement, une fois qu'on a démantelé les principaux éléments de ce système socialiste, à savoir la direction d'un parti, la planification, une fois qu'on a aboli cela, la société, le modèle, il s'est effondré de lui-même. Il y a de quantités d'informations que vous allez trouver dans ce livre. Il fallait avoir des gens ayant la connaissance et la patience pour l'élaborer. Ça se lit facilement. Je vous le conseille. Well, I want to thank Sari for this summary. He's simplified my job. Remercie Sari d'avoir pour ce résumé qui lui rend la tâche maintenant beaucoup plus facile. But before starting, I would like to thank. Avant de commencer, il veut d'abord remercier le camarade Henri Alleg qui est décédé cette année, qui est le premier à sa connaissance à avoir porté un certain intérêt sur la question de la chute de l'Union soviétique. Sinon, il remercie évidemment les traducteurs de ce livre, soit Gilbert Alex Salem, Jean Salem et bien sûr aussi Hervé Fuyet. Et puis finalement, un remerciement à Émeric Monville et Edmond Delga.
collapse of the Soviet Union. And I'd like to do this in two parts. First, why this is an important question, why the Soviet Union collapsed. And then secondly, my view or our view on why the Soviet Union collapsed. Donc ce soir, on va parler de la chute de l'Union soviétique. On va le faire en deux temps, c'est-à-dire dans une première partie, on va parler des raisons pour lesquelles c'est important de parler de la chute de l'Union soviétique, et dans un deuxième temps, exprimer donc les raisons, enfin selon les deux auteurs, de cette chute. For me, this is not just an important question or an important historic question. It's the most important question, I think, facing progressives, political activists, socialists who want to make this a better world. Donc pour lui, c'est pas seulement un problème, enfin c'est pas une simple problématique historique. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la problématique historique la plus importante pour tout progressiste qui s'intéresse finalement à la raison d'être du mouvement. For two reasons. First, dès la chute de l'Union soviétique en 91, des conservateurs, des sociodémocrates ainsi que des communistes même se sont précipités à tirer des conclusions de la chute de l'Union soviétique. Et l'idée principale qui en est ressortie de toutes ces explications, c'est que l'Union soviétique est tombée parce que le socialisme avait failli à sa tâche. Et dans son interprétation la plus extrémiste, le socialisme serait tombé parce que tout simplement l'abolition de la propriété privée et du marché allait à l'encontre de la nature humaine. Un système basé sur la planification économique et la propriété collective des moyens de production aurait été voué à l'échec. Et comme l'a dit un philosophe bien connu, la chute de l'Union soviétique signifie qu'on en est à la fin de l'histoire, qu'il n'existe aucune société plus évoluée que le capitalisme. Si on croit cette théorie, pourquoi alors est-ce que les travailleurs, les jeunes et tout le monde finalement auraient intérêt à intégrer une lutte contre le système capitaliste? Pourquoi alors les soviétiques ont connu le socialisme et qu'ils en sont revenus, pourquoi est-ce que nous en France ou bien aux États-Unis devrions lutter pour le socialisme, pourquoi même lutter contre le capitalisme? Donc ce qui est aussi très important à souligner, c'est que toutes ces explications, quoi qu'il en soit, sont fausses, parce que en réalité l'Union soviétique a accompli énormément, a connu beaucoup de succès et a eu énormément accompli beaucoup de grandes choses. L'Union soviétique a prouvé que la propriété active des moyens de production, tout comme l'économie planifiée, ont permis de plusieurs avancées pour les travailleurs. Alors, entre 1928, c'est-à-dire la mise en application du premier plan quinquennal, jusqu'en 1989, l'Union soviétique a connu une croissance soutenue annuelle, et ce, une croissance qui excédait tous les pays, même capitalistes, sauf peut-être le Japon, Taïwan et la Corée du Sud. Il faut aussi exclure, dans ces années de croissance soutenue, on doit exclure les années de la Deuxième Guerre mondiale. Aussi durant cette période, alors que la plupart des, enfin, tous les pays capitalistes connaissaient des crises cycliques, des crises économiques cycliques qui se traduisaient par des millions de chômeurs, l'Union soviétique non seulement connaissait une croissance soutenue, mais aussi garantissait le plein emploi. Alors l'Union soviétique, même si elle n'a représenté que 60% de l'économie globale des États-Unis, a quand même été capable de garantir l'éducation gratuite, et ce jusqu'à l'université,
un service de santé publique est gratuit, des vacances payées d'un mois, des retraites de jusqu'à, enfin, un départ en retraite à partir de 60 ans chez les hommes et 55 ans chez les femmes, et etc. And of course, I don't have to remind you that since évidemment, pas besoin de rappeler que depuis 2008, par exemple, on se retrouve dans des pays comme en Grèce et en Espagne avec 25% de chômage. Aux États-Unis, officiellement 7% de chômage, mais dans les faits 14% de chômage. Et évidemment, une série de coupes dans les services sociaux. Donc, maintenant, on va parler un peu de ce qu'a pu accomplir l'Union soviétique. Plus précisément, parce qu'évidemment, une autre des théories qui est largement diffusée, c'est de dire que l'Union soviétique a été capable, du point de vue social, effectivement, c'était une avancée, mais qu'elle était en retard au niveau technologique. Or, c'est totalement faux, et donc on va essayer de se pencher un peu sur les accomplissements technologiques qu'a pu accomplir l'Union soviétique. Alors, on peut déjà dire que l'Union soviétique a été le premier État à avoir envoyé un satellite en orbite, à avoir envoyé un être vivant en orbite, évidemment le premier humain en orbite. Ils ont été les pionniers dans ce qui concerne l'exploration de la Lune, ils ont été les premiers à faire atterrir un engin sur la Lune, à explorer la face cachée de la Lune, et aussi avoir construit la première station spatiale orbitale. Et tout ça, mais évidemment, ça demande énormément de savoir tant du point de vue scientifique, technologique, et en termes d'ingénierie aussi. Donc, l'Union soviétique, en bref, une histoire de succès, c'est le plus grand succès dans la lutte contre le capitalisme, et de dire que la chute de l'Union soviétique serait attribuable aux failles du système socialiste revient à occulter toutes les leçons qu'on doit retenir de cette lutte contre le capitalisme. Of course, if the Soviet Union was so successful, donc la grande question, c'est si l'Union soviétique a connu toutes ses heures de gloire et a été aussi a connu autant de succès, comment se fait-il qu'on en est venu à sa chute? The answer to this, I believe, donc la raison, selon les auteurs, on la retrouve notamment dans les en grande partie dans les politiques qui ont été entreprises par Gorbatchev dans les fins des années 80, et non pas dans les soi-disant problèmes de l'Union soviétique. C'est-à-dire, c'est même plutôt les solutions pour pallier aux soi-disant lacunes de l'Union soviétique qui sont la réelle cause de sa chute. Évidemment, l'Union soviétique, c'était pas une utopie. Il y avait certainement certains problèmes, et donc ce sont les solutions qui ont été mises de l'avant par Gorbatchev et les dirigeants à cette époque pour pallier à ces problèmes qui ont en fait causé plus de tort qu'apporter de solutions. So what in essence was the nature? En gros, les politiques de Gorbatchev se résumait à ceci, c'est-à-dire que lui pensait que les solutions aux problèmes de l'Union soviétique se retrouveraient en intégrant en faisant des concessions, au système, en faisant des concessions donc au profit du système capitaliste, tant des concessions économiques que politiques qu'idéologiques. Ça n'a certainement pas eu de succès dans la solution aux problèmes, mais au contraire, ça a amené le pays à sa perte. Let me give you three examples. Donc, un des problèmes, c'était le problème de la menace militaire dont était victime l'Union soviétique, menace militaire qui venait souvent, la plupart du temps, des pays impérialistes occidentaux. Déjà, ça commence dès les années 20, où une période où donc les Soviétiques
ont connu l'invasion des puissances impérialistes qui à la révolution, et ensuite une période où elle a été isolée diplomatiquement, un peu de la même façon que l'Iran l'est en ce moment. Après, il y a eu bien sûr l'invasion allemande et puis une quarantaine d'années de guerre froide par la suite. And historically, the Soviet answer to this question La réponse de l'Union soviétique à cette menace, ça a été de bâtir une défense nationale, enfin une défense solide, pour créer un équilibre ou un rapport de force entre l'Union soviétique et les Occidentaux. And, the Soviet Union was Donc l'Union soviétique a été capable de bâtir cette défense. Elle a été capable aussi de suivre la course à l'armement. Elle a été capable de suivre la course à l'armement des États-Unis. Par contre, évidemment, ça a coûté très très cher. On parle environ entre 14 et 25% du budget annuel de l'Union soviétique qui devait être alloué aux dépenses en armement. Et puis, donc, concrètement, ça voulait dire que 50% des scientifiques étaient mobilisés pour travailler dans le secteur de l'armement, dans le secteur militaire, au lieu de s'adonner à des causes qui auraient pu être bénéfiques à la population. In particular, this military threat, La menace a même été plus importante après l'élection de Ronald Reagan, qui a mis sur pied donc la doctrine Reagan, qui finalement affirmait que la doctrine de containment, donc de contenir la menace communiste, ne suffisait plus, il fallait au contraire la repousser. Ronald Reagan doubled the already extremely high military budget of the U.S. Donc le budget militaire des États-Unis, qui était déjà très très élevé, a été doublé sous Reagan. He proposed a vast new expenditure of money to create what was called Star Wars, or the Strategic Defense Initiative, a futuristic missile defense. Beaucoup d'argent a été investi pour la création de ce qu'on appelait Star Wars, c'est-à-dire la guerre des étoiles, voilà. Donc un programme de missiles et d'attaques nucléaires, voilà. In a national security directive, the purpose of this was to destroy the Soviet economy and to drive them into bankruptcy. That was the phrase. Spend them into bankruptcy. Donc le but avoué de cette opération était de forcer l'Union soviétique à faire faillite en augmentant les ressources destinées à l'armement. Une autre manifestation de ce programme, la guerre des étoiles, a été de financer les Mujahideen afghans et la CIA a même créé son plus grand avant-poste en Afghanistan pour venir en aide aux Mujahideen qui combattaient le régime révolutionnaire qui était en place à l'époque. Donc la réponse traditionnelle de l'Union soviétique devant ce genre d'entreprise a été de ne pas capituler, mais d'essayer autant que possible de continuer d'aller de l'avant et de suivre cette course à l'armement, histoire de maintenir un rapport de force. And Gorbachev took a dramatically different route than this. Mais Gorbachev a pris une route, un chemin tout à fait différent. He began making unilateral concessions to the United States in particular. Il a commencé deux exemples des concessions unilatérales de Gorbachev. Premièrement, donc Reagan avait élaboré une proposition de paix qu'on a appelée l'option zéro. Ce qu'elle disait en gros, c'est que en échange du retrait de tous les missiles soviétiques dans le monde, les États-Unis s'engageraient à ne pas installer de missiles intermédiaires
This was a preposterously one-sided idea. Even the people in the Reagan administration laughed at it, that they didn't think anybody would take it seriously. They just hoped that it would show that they were interested in peace. Alors évidemment, c'était une proposition unilatérale dans le sens. Même les membres de l'administration Reagan se moquaient de cette proposition et étaient certains que personne ne l'accepterait. En fait, que c'était simplement de la poudre aux yeux pour montrer que Reagan et cette administration étaient intéressés à la paix dans le monde. Brezhnev and Andropov rejected this idea before Gorbachev and Chernenko. Brezhnev, Andropov et Chernenko ont refusé évidemment cette proposition. Gorbachev accepted it. Gorbachev l'a accepté. Another example in Afghanistan. Gorbachev agreed to unilaterally withdraw. Alors un autre exemple, c'est évidemment le retrait des troupes soviétiques en Afghanistan. Gorbatchev a accepté de partir, même s'il n'y avait rien qui était prévu en retour, puisque Brezhnev, Andropov et Chernenko ont refusé. No guarantee of Afghan neutrality, no reduction in the U.S. support to the Mujahideen, nothing in return. Donc quand on dit rien en retour, ça veut dire aucune garantie de la neutralité de l'Afghanistan, ni de la, de la fin des, du soutien américain en Afghanistan. Within a couple of years, Gorbachev had completely given up the idea of international socialist solidarity. En l'espace de quelques années, Gorbachev avait aussi mis fin à toute la solidarité socialiste internationale, notamment en mettant fin à la collaboration avec la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud et même avec Cuba. Let me give you a second example. The Soviet Union in the early 1980s faced a certain illustrer economic les, la politique désastreuse de Gorbachev, on peut parler de point de vue économique. À partir des années 80, l'économie soviétique, bien sûr, continuait à croître, mais avec un rythme moins soutenu. There were various reasons for this, including that. Alors, il y a plusieurs raisons à ce ralentissement de la croissance économique. Entre autres, on peut parler de l'approvisionnement en matières premières qui devenait plus difficile parce que souvent les matières premières étaient plus chères, mais aussi d'une pression démographique qui était attribuable aux pertes humaines de l'Union soviétique. Yuri Andropov, General Secretary of the Party. Alors Andropov avait remarqué, avait décelé le problème et a essayé d'y remédier en utilisant les recours socialistes traditionnels, c'est-à-dire notamment en augmentant l'investissement dans le secteur des nouvelles technologies, mais aussi en augmentant la discipline à la base. And these experiments of Andropov showed positive results while he was in power, and actually they were continued by Gorbachev when Gorbachev assumed power originally. Et donc ces politiques ont vu des résultats positifs. Alors que Andropov était au pouvoir, et elles ont même été poursuivies par Gorbatchev au début. But very soon, Gorbachev par contre, très tôt, Gorbatchev a pris un chemin tout à fait différent et donc a pensé que résoudre les problèmes de l'Union soviétique, ce serait d'intégrer des éléments capitalistes au système soviétique. Et donc, on est passé donc de la propriété publique vers une propriété privée, et puis on est passé aussi de la planification économique vers une économie plutôt autonome. Within a couple of years, by 1989, what this had done was plunge the Soviet Union into a depression which it had not had since the origin of Soviet socialism. Et donc, toutes ces mesures se sont soldées par la première crise économique de l'Union soviétique en 1989. Let me just give a third example of Gorbachev's
tendency to make concessions to the West. Un autre exemple des concessions de Gorbatchev au capitalisme. Ce sont donc les réponses aux problèmes politiques. Brezhnev, who was the general secretary of the party from about 1965 to 1982, lors de son mandat, a créé certains problèmes politiques en Union soviétique, example, notamment en instaurant ce qu'on appelait la stabilité des cadres. Donc, en clair, cette stabilité des cadres voulait simplement dire que les cadres, une fois nommés, étaient nommés à vie. C'était pour venir pour c'était en réaction à une certaine instabilité qu'on a pu remarquer à l'époque de Khrushchev. Mais l'effet global de cette stabilité des cadres a été que la plupart des finalement une forme de d'ossification du parti et notamment en termes idéologiques. When Yuri Andropov came into power after lorsque Andropov est arrivé au pouvoir, il avait aussi décelé ce problème et donc a voulu revitaliser le parti, notamment en mettant fin en expulsant les éléments corrompus, en revenant au léninisme, c'est-à-dire entre autres en réintégrant la question de la critique autocritique, en intégrant aussi de nouveaux éléments, tout ça dans le but de revitaliser, renforcer l'idéologie communiste pour qu'elle soit un guide dans le travail des travailleurs donc soviétiques au XXe siècle. Andropov said what we need as part of this revitalization is glasnost, which he meant the party has to, and government has to become more transparent to the people. Alors ce que donc Andropov avait appelé donc c'est cette revitalisation glasnost, ce qui voulait dire dans ces termes plus de transparence, c'est-à-dire que les cadres du parti devaient être plus transparents vis-à-vis de la population. When Gorbachev came into office, après avoir suivi pendant quelques années les directives d'Andropov, Gorbatchev a bifurqué et puis a changé complètement de tactique. Il a fait, c'est qu'il a pris une conception occidentale qui, selon laquelle la façon de revitaliser le parti serait de créer un organe, enfin un médiatique soi-disant indépendant, voué à la critique du parti. Pour Andropov, glasnost voulait dire ouvrir le parti au peuple, alors que pour Gorbatchev, ça voulait dire ouvrir le parti à la critique et à l'anticommunisme. En l'espace de quelques années, Gorbatchev a fait en sorte que la télévision et puis les journaux et puis les organes médiatiques sont devenus de façon avouée des organes anticommunistes. Évidemment, tout ça s'accompagnait d'un affaiblissement du parti, notamment parce que le parti était soustrait à son influence sur l'économie, soustrait à son influence en termes militaires, et puis éventuellement, tout simplement, de s'aborder le parti en soi. By 1989 or 1990, Gorbachev's policies had led the country. Alors dans les années, à partir des années 80, fin 80, début 90, Gorbatchev avait donc les réformes de Gorbatchev se sont avérées désastreuses, notamment donc parce que on a connu des périodes de crise, de chômage, les premières grèves, et puis en même temps, Gorbatchev retirait, s'abordait toute influence que le Parti communiste pouvait avoir dans la vie en Union soviétique. Let me raise one final question and then I'll stop. Donc une dernière question et après on s'arrête.
If Gorbachev's policies cette question, c'est si les politiques gorbatcheviennes ont été si désastreuses, pourquoi est-ce que personne n'a arrêté Gorbatchev? Pourquoi, si l'Union soviétique a pu se remettre de problèmes beaucoup plus profonds, de périodes beaucoup plus noires comme l'invasion des années 20, la marche forcée à l'agriculture, l'industrialisation accélérée, l'invasion allemande qui s'est soldée par la destruction d'un tiers des villes, des usines et 25 millions de morts, même les répressions staliniennes, comment se fait-il que en 1989, l'Union soviétique n'ait pas survécu aux politiques de Gorbatchev? Et en plus, l'Union soviétique a rejeté deux autres initiatives qui tentaient de résoudre les problèmes les problèmes du socialisme en intégrant certains éléments de l'économie de marché et du capitalisme, à savoir Boukharine et Khrushchev. Comment ça se fait que ces propositions ont été rejetées? Comment se fait-il que celle de Gorbatchev ait été acceptée et mise en application? Alors la solution à ce problème mystérieux, c'est le changement qui est survenu en Union soviétique depuis la période de Khrushchev, à savoir un changement qui a fait en sorte que on a vu naître au sein de la population une infrastructure qui a permis de soutenir les politiques de Gorbatchev. Et ce changement donc dans les rapports de classe en Union soviétique, c'est l'émergence d'une économie parallèle, une économie privée qu'on peut appeler aussi une seconde économie. Now, by second economy, we mean production and exchange for private profit. Alors par deuxième économie, on entend production et échange dans le but de générer des profits personnels, des profits privés. Ce problème, c'est un problème qui existe dans toute société socialiste, mais qui existe aussi dans les sociétés capitalistes, quand on parle par exemple de marché noir. Mais c'est encore plus important dans les sociétés socialistes puisque la propriété privée était tout simplement interdite. Il y avait moins de, il n'avait pas sa place dans le système. C'était un problème mineur. C'est devenu un problème majeur à partir de Khrushchev. Et cette seconde économie a pris de l'ampleur, notamment sous Brejnev, et elle a fini par exploser sous Gorbatchev. Et pour chiffrer l'importance de cette seconde économie, on peut dire qu'en autour de 1985, la part de cette seconde économie équivalait à 20 et 25% de l'économie soviétique. C'est-à-dire que entre 20 et 25% de l'économie soviétique était faite par des transactions privées, de la production privée et des propriétés privées. Perhaps 14 or 15% of the population was making more money on private transactions than they were than they were legally in the socialist economy. Environ 15% de la population soviétique se faisait plus d'argent en s'adonnant à des activités de transactions privées illégales qu'en travaillant dans le secteur public de façon légale. And this created two serious. Cette situation a créé deux problèmes importants. Le premier étant la création d'une nouvelle classe, une petite bourgeoisie, dont les intérêts consistaient à étendre l'influence du capitalisme. Et cette classe était déjà très importante quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir. À l'époque de Brejnev, on parlait déjà des millionnaires de Brejnev. C'était des gens donc qui avaient déjà assez d'influence pour faire pression sur l'administration afin d'étendre le marché, enfin l'économie de marché au sein de l'Union soviétique.
Le deuxième problème, c'est le problème de la corruption au sein du parti, parce que cette économie n'aurait jamais été possible sans la connivence des cadres, des hauts gradés du parti, s'il n'aurait jamais été possible sans des pots de vin, des enveloppes brunes et tout ce genre de magouilles. Cette corruption était tellement généralisée à l'époque de Brejnev que sa propre fille et son gendre ont été accusés pour corruption. So, in other words, it wasn't just that Gorbachev was a bad guy. Rather, he was acting on the social base, social and economic base that existed before he even came to power. Donc, en gros, Gorbatchev, c'était pas un méchant bonhomme. C'était, en fait, en réalité, il faisait tout simplement agir selon la volonté d'une infrastructure qui était cette nouvelle classe sociale. So, in short, I think here we can conclude that the Soviet Union did not collapse because socialism failed. Donc, en gros, on peut conclure que l'Union soviétique n'a pas la chute de l'Union soviétique n'est pas un produit de des failles du système socialiste. In fact, socialism was a tremendous success, particularly for working people and what it accomplished in its short decades of existence. Et on peut aussi dire que l'Union soviétique a été un succès. Le système socialiste a été un succès en Union soviétique grâce aux grandes avancées dont ont pu bénéficier notamment les travailleurs. But the third lesson of studying the Soviet collapse, la troisième leçon qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que la construction du socialisme n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas automatique à partir du moment où on a pris le pouvoir. La construction du socialisme se fait à travers des luttes et une vigilance constante contre les ennemis extérieurs qui constituent une menace. And against internal enemies, tout comme contre les ennemis intérieurs qui pensent que le problème du socialisme se résolve par l'intégration d'éléments capitalistes et aussi en faisant des concessions unilatérales aux impérialistes. Il me semblait, à la lecture du livre, que vous avez accordé beaucoup d'importance au rôle de dirigeant. Cette importance, par exemple, vous pensez que si c'était Andropov qui avait une longue vie comme Brejnev, peut-être que l'Union soviétique aurait pu échapper à l'effondrement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans le système socialiste, il faut qu'il y ait un parti et une direction de parti pour veiller à l'édification du système socialiste. Or, le parti, depuis pendant 30 ou 40 ans, il était devenu un organe au service de ses membres plutôt qu'un organe dirigeant, puisqu'il y a eu la stagnation idéologique et politique. I think that those are very good ideas. Selon Roger, il y a beaucoup à apprendre des 15 mois d'exercice du pouvoir d'Andropov. En étudiant donc son approche marxiste-léniniste
afin de résoudre les problèmes qui existaient donc dans la société soviétique, qui sont les mêmes problèmes qu'essayait de résoudre Gorbatchev, mais en intégrant des éléments capitalistes. Et c'est aussi important parce qu'on voit, enfin, on a vu qu'il y avait un certain enthousiasme autour de la direction d'Andropov. C'est une des plus belles illustrations qu'on peut avoir en histoire afin de faire une expérience par comparaison. On voit très bien que, enfin, on se retrouve donc avec le même pays, les mêmes problèmes, mais deux dirigeants différents, et donc on est capable de tirer des conclusions intéressantes en comparant les deux approches. On the second part, I don't know. I think that might be maybe a little too harsh. I think to sur la deuxième idée, qui était de dire que le parti communiste d'Union soviétique était plutôt un parti qui veillait aux intérêts de ses membres, Roger dit que c'est probablement, selon lui, un jugement trop dur. Il n'irait pas aussi loin, parce que, selon lui, il y a eu quand même, même sous Brejnev, quelques avancées sociales, et qu'il y a eu une progression du socialisme. Peut-être effectivement que le socialisme n'est pas allé aussi loin qu'il aurait pu et qu'il aurait dû, mais il y a quand même eu un certain progrès. Let me just say one thing in support of my view, that I think that Khrushchev, no matter how bad Khrushchev was, and most of Khrushchev's internal policies were a disaster, and as problematic as Brezhnev was, un argument donc qu'avance Roger, c'est de dire que malgré toute la mauvaise gestion interne qu'on peut attribuer à Khrushchev, celui-ci ne s'est quand même jamais fait d'illusions, ni lui ni Brezhnev d'ailleurs ne sont fait d'illusions concernant l'impérialisme. Ils ont toujours défendu Cuba et l'Afghanistan contre les assauts impérialistes, ce devant quoi Gorbatchev a capitulé. Les conclusions, vous dites que malgré la défaite, la victoire du socialisme, elle est possible, car la défaite d'une expérience ne veut pas dire la défaite de la pensée elle-même. Mm-hmm. Exactement. Yes, I mean it's the lesson that I would draw from this analysis. C'est l'idée qu'il avance, l'idée de la conclusion. On peut montrer que, il illustre très bien que le socialisme était très viable jusqu'à l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. D'ailleurs, tous les problèmes, notamment les émeutes, les crises, les grèves et tout ça, les crises économiques, surtout sont arrivées après l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. J'aimerais savoir la portée que aux États-Unis a pu avoir le livre de votre avis. Qu'est-ce que les Américains pensent de ce livre? C'est une question. Il a été traduit, le livre, beaucoup, de nombreuses langues. So he wants to know what was the impact of your book in the US and how did the US people react to it? Alors, en termes d'impact, le livre n'a eu, pour ainsi dire, aucun impact. C'est-à-dire qu'aucune des revues les plus importantes en ont fait état. Il y a eu absolument aucune publicité, aucune critique du livre, sauf dans les revues, les publications plutôt de gauche. But it does have a certain underground existence, donc, kind of like a Sanzan or something. malgré ça, le livre a une certaine vie souterraine, si on peut dire. C'est-à-dire que malgré tout, il y a des gens qui achètent le livre. It has a life, even outside of Barnes & Noble.
Voilà, il continue. Le mot-clé trait d'humour, c'est il a présenté son livre comme un samizdat américain, un livre de dissident. Il a une vie souterraine là-bas aussi. Maintenant. Je vais aborder rapidement plusieurs points. Déjà sur la seconde économie. Est-ce que c'était basé, est-ce que c'était uniquement du marché noir basé sur le vol de la production socialiste? Ou est-ce que, il y a eu peut-être au début c'était comme ça, et est-ce que c'est devenu carrément après des productions? Là ça ne peut pas passer inaperçu bien évidemment, donc il fallait qu'il y ait un accord pour ce genre de politique à l'intérieur du parti. If I understand l'attitude du parti par rapport à cette deuxième économie, c'était de dire que il y avait deux attitudes possibles. Il y a eu deux attitudes prédominantes, disons. Une a été de dire que cette économie avait un effet stabilisateur et était au contraire bénéfique à la vie en Union soviétique, puisqu'elle permettait de répondre à certains besoins, donc que le parti donc était il était donc mis de l'avant que le parti ne devait pas déployer trop d'efforts pour contrer cette seconde économie. L'autre attitude, c'était l'attitude contraire, c'était de dire qu'elle était donc prévalente dans certaines sphères du parti et aussi dans certaines institutions académiques. Et c'était de dire que la seconde économie allait à l'encontre du socialisme, qu'elle représentait même une menace et qu'elle devait donc être contrôlée de façon très stricte et que tout contrevenant devait être poursuivi. Andropov avait même dit que toute initiative privée, l'idée selon laquelle toute initiative privée pourrait revitaliser le socialisme était absolument fausse. Mais les marchandises, est-ce qu'elles étaient produites en Union soviétique ou est-ce qu'elles étaient volées ou venant de l'extérieur peut-être, du marché illégal? Oui, c'est un petit peu par rapport à la question. Vous allez trouver dans le livre beaucoup de réponses à cela. En fait, au départ, avec la NEP, la nouvelle économie, la nouvelle politique économique, avait accordé de parcelles de terrain aux paysans, ce qui représentait déjà 25% de la terre cultivée, c'était de la propriété privée. Ça, c'était la nouvelle économie légale qui a provoqué une économie illégale. C'est que les paysans eux-mêmes, et là, c'est de tourner les semences, le transport, les produits et les doux ensemble, la légale et l'illégale, qui a constitué la base de... Voilà. Mm-hmm. C'est juste. Mm-hmm. C'est là que j'ai trouvé l'explication.